6 years after Israel withdrew from South Lebanon and dismantled the South Lebanese army, Israel is engaged in a war with Hezbollah for the last 3 weeks, which has cost the lives of civilians on both sides, has largely destroyed Lebanon's infrastructure and many Israeli towns. 79-year-old exiled South Lebanese Army General Antoine Lachert now hopes that the United Nations will finally take action and deploy forces in South Lebanon along the Lebanese Army so that he and other members of the SLA, the South Lebanese Army, can return to their home country. Lachert has been stripped of Lebanese citizenship and has been condemned to death in Lebanon. Je ne retourne pas au Liban, que les Libanais gouvernent le Liban. Quand ce sont les Libanais qui gouvernent le Liban, j'essaie de retourner. Il n'y a pas de forces militaires sur le territoire libanais. Mais il y a encore, ils s'intéressent et ils commandent. Ils ont planté des gens pour eux, des responsables libanais maintenant. On ne peut pas les changer d'après les dostours du Liban. On ne peut pas les changer. C'est pour cela, quand ils changeront tout ça, ça sera autre chose. Et que Hezbollah va perdre cette guerre? Ce n'est pas une question de perdre, il va s'affaiblir. C'est une guerre israélo-américaine, guerre contre Hezbollah, la Syrie et l'Iran. Et c'est le territoire libanais. C'est nous que nous payons les pots cassés, la conséquence. On paye pour le tourisme. C'était une année très bien pour les Libanais. Tous les touristes, ils ont pris la fin. Ils ont retourné le Liban 20 ans, 25 ans en arrière. Il y avait un problème à Gaza. On avait kidnappé Hamas, avait kidnappé un soldat. Et tout un coup, Hezbollah rentre dans le territoire israélien, tue 8 soldats et kidnappe 2. Et il y a une guerre entre le Liban et entre Israël. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut demander aux Iraniens et aux Syriens pourquoi ils ont commandé Hezbollah de faire ces coups. Bachar al-Assad, il a dit « je vais détruire le Liban ». Bachar al-Assad, il a dit « personnellement, je vais détruire le Liban ». Et il essaye de le détruire. Maintenant, même la Syrie, il va intervenir pour laisser le feu, pour accepter laisser le feu de Hezbollah. Il a fait tout ce coup et maintenant il va intervenir pour avoir des contacts avec les Européens et les Américains. Pourquoi le gouvernement libanais n'a rien fait pour prendre les armes de Hezbollah jusqu'à maintenant? Il ne peut pas prendre. Israël, avec sa force, 23 jours, la plus grande guerre d'Israël, ça a duré une semaine, 7 jours, maintenant 21 jours, ils n'ont pas terminé le sud de Liban. Alors, comment voulez-vous, nous avons 300 km encore avec la Syrie, on ne peut pas les couvrir. C'est comment l'armée libanaise aujourd'hui? L'armée libanaise, elle est très bien. Nous avons la force, mais pas la force de combattre Hezbollah. Puisque Hezbollah, il dit, moi, je suis contre l'ennemi israélien. C'est un ennemi par rapport à Hezbollah ou par rapport aux Libanais. Et les autres ne peuvent pas dire que ce n'est pas un ennemi pour nous. Il s'agit maintenant que les troupes internationales viennent au Liban et après les Libanais viennent prendre l'armée libanaise du sud et on applique l'accord d'armistice. Les Palestiniens voulaient, ils ont fait, ils en ont fait, un gouvernement palestinien à l'intérieur du Liban. Et Hezbollah maintenant, c'est comme les autres, c'est un gouvernement à l'intérieur du pays. Voilà, mais c'est ce que je voulais vous demander. Un gouvernement dans un gouvernement. Les Libanais, ils ont peur qu'il va y avoir une guerre civile une fois non, que non, cette guerre non, est finie. Ils ont essayé, ils ont fait une guerre civile pendant des années. Ça n'a rien donné. On en a pensé détruire eux-mêmes. Ils se détruisent de deux côtés. Mais, ils sont intelligents, les Libanais. Ils ne veulent pas revenir à la guerre. Ils regardent l'avenir.